soir des navigateurs. On va être rapide ce soir parce que les équipages ont envie de se reposer et de récupérer un maximum pour attaquer demain. Je suis à côté du vainqueur de l'étape de ralliement, la première de cette édition 2012, c'est Nicolas Troussel. Bonsoir Nicolas, ça va bien ? Oui, bonsoir, ben, très très bien. Un peu fatigué, mais en tout cas félicitations après cette belle navigation de nuit et cette arrivée au petit matin. C'était ce matin aux alentours de 7h30. On découvre les images, bien sûr, de cette arrivée. Comment ça s'est passé cette nuit, cette journée d'hier ? Raconte-nous un petit peu cette étape de ralliement entre Dunkerque et Dieppe. Ben, on nous promettait une étape avec peu de vent. En fait, on a eu un peu de vent au départ jusqu'au Cabrinet. Et ensuite, le vent est vraiment tombé et du coup... On a fait une étape sans beaucoup de vent, mais ça s'est très bien passé pour nous. Oui, ça s'est très bien passé pour vous. Tout le monde était très regroupé, hein. La flotte était très regroupée hier soir avant que la nuit tombe. Tu peux nous raconter un petit peu les conditions dans lesquelles vous étiez avant la nuit ? Donc avant la nuit, on était avec du vent de nord, mollissant, sous spi pour descendre sur Dieppe, à une cinquantaine de milles de Dieppe. Et on attendait du vent de sud, donc l'inverse. Et donc le vent est tombé, à molli, et la mer est devenue toute lisse. Et on a dû, le courant s'est inversé, on a dû mouiller, donc c'était... C'était une régate en tout cas au contact avec tous les bateaux. Oui, parce que là, l'attente est longue, hein, tout le monde doit mouiller. Et puis c'est le moment où il faut décider de lever le camp et de repartir. Et qui décide comment ça se passe à bord d'un bateau comme ça, justement, en pleine compète, avec tout le monde autour. Comment on décide de lever le camp? Justement, on a l'impression que c'est bon, on a mouillé, que tout le monde peut se coucher. Mais non, et en fait, il faut être aux aguets, savoir si le bateau repart, s'il faut remonter le mouillage, que c'est assez long, on met une cinquantaine de mètres au moins de ligne de mouillage, donc tout ça à remonter quand le bateau réavance, c'est pas simple, et il faut le faire le plus vite possible pour pouvoir repartir. Et voilà, donc tout le monde nous on était 3 ou 4 sur le pont à être à l'affût pour être prêt à repartir le plus rapidement possible. Alors qui décide? C'est toi? C'est à bord? Comment ça se passe? Ouais, c'est moi qui donne l'ordre. Souvent sur le bateau, il y a une grande discussion, et puis c'est moi qui, s'il faut trancher, c'est moi qui tranche. Alors du coup, vous avez décidé de lever le camp à un moment, et puis au petit matin, quand la lumière est revenue, tu t'es rendu compte que vous étiez en tête. Tout de suite, vous êtes rendu compte que vous étiez en tête, ou c'était encore très serré au petit matin? Non, en fait, en début de nuit, nous, ce qu'on voulait, c'était gagner dans l'ouest. Il y avait du vent de sud qui devait rentrer, donc on a fait tout notre possible pour gagner dans l'ouest. C'était pas juste. Justement, c'était pas gagnant au départ. C'était assez dur sur l'eau parce qu'on voyait les autres qui continuaient à avancer dans notre est. Et puis, au fur et à mesure de la nuit, on a commencé à gagner de plus en plus. On voyait qu'on arrivait à créer du latéral. Et là, on s'est dit que ça pouvait le faire. Et on y a cru jusqu'au bout. On a retiré 2-3 petits bords pour gagner justement ce nouveau vent. Et quand le vent est arrivé, on était au contact avec Île-de-France. Et là, ça l'a fait. Et ça l'a fait, on a croisé derrière, on a envoyé le petit spire et lui il a raté un peu sa manœuvre, on a réussi à ressortir devant et à créer une petite cinquantaine de mètres d'avance ou 100 mètres d'avance qu'on a gardé jusqu'au bout, donc c'était bien aussi parce que du coup c'était tendu jusqu'au bout, il fallait rien lâcher et ça nous a aidé à arriver jusqu'à la ligne avant une autre saute de vent qu'il y a eu juste après qu'on ait passé la ligne. Oui, et puis qui a bloqué certains concurrents encore très longtemps avant l'arrivée, puisque on va redonner le classement de cette étape de ralliement. Bretagne, Crédit Mutuel, Élite en 1, Île-de-France en 2. Belle performance d'Île-de-France qu'on avait vu, pas trop mal à Dunkerque, mais enfin qui n'était pas parmi les meilleurs dans le coup. Hein. Ouais, c'est vrai, mais toute l'étape, là, on était 5 bateaux à partir de Dunkerque à être parti, un petit groupe de 5 bateaux, on s'est bien bagarré et c'est vrai qu'ils en faisaient partie et ils allaient très bien, ils ont tiré des bons bords, ils allaient vite et en tout cas sur les ralliements, ils sont vraiment dans le coup. Hein. Et puis après, Toulon, Provence, Méditerranée et Coche qui, pour l'instant, a l'air d'être vraiment le gros prétendant à la victoire sur ce Tour de France à la voile, puis depuis le début de la saison. Hein. Exactement, depuis le début de l'année, ils font pas beaucoup d'erreurs, donc c'est bien pour eux, c'est moins bien pour nous. Mais, tu le dis avec un petit sourire crispé quand même. Nous, on essaye d'en faire le moins possible et puis voilà, on sait que le tour va être long et qui sait, ils feront peut-être une erreur à un moment et on essaiera d'en profiter. Et puis après, juste derrière, Ville de Genève, premier amateur qui conforte aujourd'hui sa place de leader au classement amateur. Un bon retour de Jérôme Clerc avec ce bateau Ville de Genève, Carrefour Prévention, c'est le retour de Ville de Genève là. Hein.
Ouais, on les a déjà vus très performants sur le Speed West France quand ils sont arrivés avec le nouveau bateau. Ils étaient vraiment étonnants parce qu'ils ont trouvé tout de suite les réglages et ils allaient tout de suite vite. Et après, on connaît leur faculté à naviguer avec le vent, avec les bascules de vent. Et là encore cette nuit, ils ont fait preuve de beaucoup d'adresse avec justement ces vents faibles. Et on sait qu'ils sont friands de ça, les gens qui naviguent sur le lac. Une très belle motivation en tout cas. Et puis pour la cinquième place, BAE System. Courrier Dunkerque en 6, étonnant quand même Courrier Dunkerque en 6 puisque on se disait que cette année c'était vraiment peut-être l'année pour Daniel de décrocher ce titre sur le Tour de France à la voile. Ça n'a pas l'air d'être gagné d'avance hein. On sait que c'est pas facile. Ils n'ont pas eu de réussite sur cette étape-là. Ils n'ont pas eu de réussite non plus sur les derniers parcours techniques à Dunkerque. Ouais, mais on sait que le tour est très long et de toute façon, ils ont un bon équipage et ils seront présents à la fin, c'est sûr. Ce qui donne un classement général ce soir de Toulon, Provence, Méditerranée, Coiche devant Bretagne, Crédit Mutuel, Elite. C'est la bonne opération. Hein. Tu regagnes deux places au général. Juste devant BAE System et Courrier Dunkerque en 4 et Ville de Genève en 5. Ce sont les 5 premiers au classement général ce soir. Bretagne Crédit Mutuel Elite, c'est ton bateau. Tu avais un petit peu aussi entre la 2e, la 3e, la 4e place à Dunkerque. Là, tu reviens à la 2e place. Les ambitions de Bretagne Crédit Mutuel Elite sur ce Tour de France à la voile? Les ambitions sont toujours élevées. On essaye déjà de faire de mieux possible. On essaye de prendre du plaisir sur l'eau. Et après, moi, mon ambition, c'est de faire mieux que l'année dernière, qui était 3e. Et évidemment, si on peut faire mieux, si on peut gagner, on ne va pas se gêner. Donc, comme je le disais, c'est super long. Il faut vraiment trouver une espèce d'osmose d'équipage. Comment tu te sens d'ailleurs justement à bord? Comment ça se passe? Raconte-nous. Ça se passe très bien depuis le début. Hein. On a fait des bonnes choses et des moins bonnes. Mais en tout cas, c'est resté très positif et on continue à chacun progresser dans l'équipage. Donc c'est important. Et après, il va falloir bien enchaîner les changements d'équipage. Là, ça commence à partir de Dieppe. Donc voilà, en tout cas, tout se présente bien et tout se déroule bien pour le moment. Pas de mauvaise surprise. L'équipage M34 sur Bretagne Crédit Mutuel Elite, c'est un projet qu'on a découvert l'an dernier avec votre arrivée, avec des ambitions. Hein. Vous l'aviez dit lorsqu'on avait baptisé le bateau, lorsqu'on était à Vannes dans votre belle région. Et qu'est-ce que tu penses de ce projet après un peu plus d'un an à fond avec l'équipe? Donc moi, je viens du Figaro. Hein, j'ai fait. C'est pas la même chose. Hein, c'est pas la même aventure. C'est du solitaire et j'avais un peu fait le tour. J'avais envie de changer. Et grâce à mes partenaires, j'ai réussi à le faire et monter ce beau projet pour le Tour de France à la voile. Et en tout cas, c'est un projet compliqué parce que c'est beaucoup de gestion qui est pas facile avec beaucoup d'équipiers. En tout cas c'est très plaisant et puis on attend à chaque fois ce rendez-vous du mois de juillet avec impatience et c'est vrai que des fois c'est un peu long mais c'est sûr que c'est une très belle épreuve. J'avais déjà participé avant en tant qu'équipier et j'avais très envie en tout cas de le faire en tant que chef de projet, donc c'est une expérience très enrichissante pour moi et puis voilà, donc je suis très content de le faire et puis je vois que on avance dans le bon sens et que cette course dans les années futures sera, je pense, encore plus belle. Avec des nouveaux classements, hein, puisqu'on rappelle que donc là, pour l'instant, au classement général, tu es 2e. Au classement technique, tu es 3e. Au classement au large, tu es 2e. C'est quoi le plus important? Évidemment, c'est le général, mais si tu devais choisir, il y a une partie sur laquelle tu sens mieux le bateau, le technique, le large? Qu'est-ce que tu as envie de privilégier? Moi, je préfère la course au large. Mais par contre, justement, j'aimerais bien me classer sur le tactique. C'est-à-dire que j'ai beaucoup progressé dans ce domaine-là parce que c'est pas facile de devenir de coureur au large à barreur sur des parcours tactiques. Donc, je travaille pour y arriver et j'espère que ça va... Enfin, en tout cas, ça paye parce qu'on a des résultats, mais ça pourrait être une... C'est en tout cas une motivation supplémentaire. Bon, alors du technique, ça sera demain à Dieppe avec les premières régates. On va te laisser préparer et construire ta victoire, on l'espère, hein, Nicolas. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce soir sur le bar des navigateurs. Et puis, bon vent et puis bon tour. On aura l'occasion, j'en suis sûr, de te retrouver pour d'autres victoires. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et, Tour de France à la voile avec justement une belle histoire, je vous le disais il y a quelques instants. C'est celle de Maddy Faubert qui va venir nous rejoindre. D'ailleurs, je crois qu'elle n'est pas toute seule. Il y a quelques coéquipiers du bateau qui sont venus. Bonsoir Maddy.
Bonsoir Olivier. Ça va bien ? Très bien. Bon, je vois que vous avez une petite fatigue à la jambe. On ne va pas rester trop longtemps ensemble pour ne pas être trop fatigué pour vous. Je vais vous donner ce micro parce qu'on a un petit souci avec celui-là, mais tout va bien. Ah bah ça y est, il est revenu. Alors tenez, je vous donne celui-là. Voilà, tout va bien. Maddy, on a vécu ensemble une belle histoire. C'était à Dunkerque. Ah, petit souci. Alors je reprends celui-là, c'est pas grave. On va le faire avec celui-là, ce sont les aléas du direct. Une belle histoire à Dunkerque, puisqu'on a vécu votre première victoire sur le Tour de France à la voile, alors que ça fait quand même maintenant plus de 20 ans que vous gérez ce projet, Maddy. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as vécu cette victoire ? J'imagine beaucoup d'émotions. Oui, c'était notre première victoire au classement général. On a connu quelques victoires au classement amateur, mais jamais au général. Donc, au bout de 20 ans, ben, comme quoi il faut être patiente. Et puis, évidemment, c'est un très grand bonheur, et surtout dans les conditions dans lesquelles ça s'est passé. Oui, effectivement, il y avait des conditions de régate vraiment tactiques, hein, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vent. Et puis, il y a eu un super départ. Et puis après, une régate qui s'est bien passée, bien déroulée, avec un petit jeune que tu lances dans la course au large. Hein. Bon, ça, on n'arrête pas de te la faire, cette blague. Mais c'est vrai que tu as avec toi, Bertrand, passé le tenant du titre de ce Tour de France à la voile, qui a décidé de te suivre sur l'aventure cette année. Oui, bon, Bertrand, il a gagné les deux derniers tours, mais il en a quand même 8 aussi à son actif. Et d'ailleurs, j'en profite parce que l'autre soir, dans le bar des navigateurs, je me suis permis de dire que dans les dernières années, il n'en avait gagné que 2. J'en avais un peu oublié 6 autres. Et j'ai un petit garçon qui m'a envoyé un petit message, le petit Vincent P. De l'île Maurice, qui suit sur Internet régulièrement nos rendez-vous et qui m'a bien rappelé qu'il fallait ne pas oublier les 6 autres victoires de Bertrand Passé. Voilà, donc je rectifie tout de suite. Voilà Vincent, c'est fait. Voilà, et je profite aussi pour lancer un grand bonjour au petit Vincent P. Alors, pour revenir à cette merveilleuse histoire, ben, c'est tout simplement, ça a été déclenché par un article de presse dans une interview de M. Bertrand Passé, dans lequel il disait qu'il avait envie de transmettre son savoir. Et à la question « Rejoindriez-vous un équipage amateur ?», il a répondu « Oui ». Je me suis dit ben, « Pourquoi pas nous ?» Et via le petit Vincent P, l'appel a été lancé. Et Bertrand n'a pas hésité très longtemps, il a dit oui. Et voilà, et il nous a mené à notre première victoire pour un 20e anniversaire, c'est fantastique. Tu avais déjà pensé à essayer de le faire venir, Bertrand Passé, ou est-ce que tu te disais que non, jamais il viendrait avec un équipage d'amateurs et que tu resterais dans cette logique de pousser des jeunes à faire de la voile, ce qui était déjà superbe, mais que voilà, on n'irait pas plus loin. Mais je connais Bertrand Passé quand même de nom et puis depuis qu'on fait le tour, on se voit souvent. Mais jamais je n'aurais pu penser qu'il vienne à bord avec mes jeunes. En tout cas, c'est ce qu'il a fait. Il a bien fait de le faire puisqu'il arrive à leur enseigner, à leur passer, à leur inculquer toutes ces notions. D'ailleurs, il y a quelques petits jeunes qui sont avec toi. On les fait venir peut-être autour de nous. Voilà, les garçons, venez. Maddy, reste avec nous. Mais venez les garçons. Venez avec nous, voilà, venez nous rejoindre ici, de chaque côté. Allez, 2 d'un côté, 3 de l'autre. On répartit. Tiens, bah, tiens, toi qui es en jaune, là, tiens, viens vite. Voilà, présentez-vous les garçons. Voilà, ou Maddy va vous présenter. Tiens, ça sera plus simple. Alors, il y a Florent qui avait fait la maîtresse avec nous et qui avait envie de continuer à naviguer avec nous. Il y a Pascal qui nous vient de Martinique. Il y a Pierre qui a séjourné en Belgique et qui est retourné vivre en France, mais que je connais fort bien. Et puis, il y a Nicolas, qui est pur bruxellois, et puis Alexandre. Alors, merci Maddy d'avoir présenté tous ces garçons. Comment ça se passe déjà avec Maddy et puis après avec Bertrand ? J'imagine que ça ne va pas se passer de la même manière. Non, ce n'est pas tout à fait le même état d'esprit. Avec Maddy, bah, c'est une organisation un peu familiale à terre. Donc, ça se fait, les choses se font simplement bien entre nous. Bertrand, enfin, comme Maddy l'a dit, on se connaît depuis un moment. Bertrand, par contre, bah, on apprend à le découvrir. Ça fait que 3 jours qu'on navigue ensemble. En gros, bah, y a des petites mises au point nécessaires à faire. Et puis les choses suivent leur cours. Et globalement, ça suit une bonne pente. Et justement, alors, quand on a l'habitude de ce côté un petit peu, on va dire, amateur, on est un peu entre jeunes, on essaye de faire de notre mieux. Là, on arrive avec un type qui a vraiment la gagne et qui a envie d'en découdre avec les autres. Et puis, il est hors de question pour lui de partir pour perdre. Comment ça se passe ? Ça se passe très bien. Enfin, c'est vrai qu'il est exigeant, mais surtout on apprend beaucoup de choses avec lui. Donc, enfin, nous on est venus aussi pour apprendre beaucoup. C'est dur, c'est plus dur que l'année passée, mais on y va à fond et on a fait une première place avant-hier, donc super.
C'est aussi simple que ça. Il suffit simplement qu'un grand professionnel monte à bord et tout de suite, hop, on se transcende et ça y est, c'est gagné. Non, pas tout à fait. Je pense que bon, il faut pallier un peu au décalage qu'il y a eu entre dans la confrontation entre un skipper de renom et puis un équipage amateur comme le nôtre. Mais on va tout faire pour aller dans le même sens et œuvrer pour la victoire. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Tu sens vraiment, toi, Maddy, que depuis que Bertrand est là, il y a des choses qui changent dans le travail des garçons et des filles qui sont à bord du bateau. Oui, ça change parce que... Déjà, ils viennent plus à la popote quand tu les appelles parce qu'ils fêtent leur victoire déjà. Donc, ça te décale le repas déjà. Oui, ça, c'est une petite anecdote. Je les ai appelés pour qu'ils viennent à la popote et ils m'ont dit « Non, on ne vient pas. On est en train de gagner, donc on reste devant le grand écran, on est scotché. » Mais bon... On a quand même toujours fait les choses le mieux possible. On est des amateurs, mais on a toujours fait en amateur éclairé. Et il nous manquait un meneur d'hommes. Et là, je crois qu'on l'a trouvé. Bon, en tout cas, on espère que ça se passera formidablement bien sur ce 20e tour pour toi. Et puis, cette 35e édition du Tour de France à la voile 2012. On souhaitait vraiment faire un clin d'œil. On savait que Bertrand ne pouvait pas être là avec nous aujourd'hui. Mais on le salue et on le félicite. Et on vous félicite tous, bien sûr. Et toi, la première, pour cette belle victoire sur le Tour de France à la voile. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci les garçons. Merci Maddy. Et puis, nous, on continue, bien sûr, à vous parler de la course. Dès demain, on sera avec les parcours techniques, avec... nos amis du Tour de France à la voile. Les 15 équipages reprennent les parcours ici à Dieppe, au large de la plage. On vous les fera vivre en intégralité sur le live de tourvoile.fr et on se retrouve très vite dans le bar des navigateurs ici à Dieppe pour l'actualité du Tour de France à la voile 2012. Merci, bonne soirée. On est pour l'instant dans nos objectifs. On comptera les points plus tard. C'est loin d'être la fin. Ça nous remet un peu dans le coup, je pense qu'on est tous serrés maintenant en général. Ça n'a pas été simple, il a fallu qu'on cravache pour remonter, puis à un moment donné, bon, les orages sont arrivés.